Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau sur la chaîne The Fisher Channel. Et c'est parti pour la présentation des produits ultra légers de la box du mois de janvier. Et franchement, il y avait des super produits. Bien évidemment, vous allez pouvoir constater que petit à petit, nous allons nous tourner vers l'ouverture de la truite. Effectivement, nous avions mis quelques produits qui correspondaient à cet effet pour cette ouverture. Mais n'oubliez pas que février, mars, avril, ce sera des box spéciales truites pendant 3 mois. Donc n'hésitez pas à souscrire à l'abonnement 3 mois, vous serez plutôt gâtés. Donc c'est parti, on commence tout simplement avec la tête plombée Delta de chez Volken en 5 grammes. Ça correspondait vraiment très bien avec tous les leurres qu'on avait mis dedans. Et là, je l'ai armé avec le GTL Twin 2 pouces. Donc ça correspondait aussi vraiment bien en ce moment pour gratter au fond pour la perche. Donc c'est parti, on passe tout de suite à l'animation. J'ai essayé de baisser un petit peu la GoPro pour que vous voyez un petit peu comment aussi j'anime au niveau du moulin. Donc on va lancer le leurre, on va cibler des zones précises. On va le laisser jusqu'au fond. Il y a un petit peu de fond, c'est cool. On va le laisser un petit peu et là, cette fois-ci, l'objectif, c'est de le faire tressauter. Ça s'appelle le jigging. Donc, on prend le moulinet, canvas et on va juste faire quelques petites tirées comme ceci. D'accord? Donc, ça va juste faire tressauter le leurre sur le fond et ça va être très, très prenant pour tout ce qui est cendre, perche et black bass. D'accord? Donc, ça va imiter une petite écrevusse qui est en train de nager. Elle a des petites paddles sur les côtés, des petites nageoires qui vont s'animer à la moindre tirée, c'est vraiment très efficace. Elle a un attractant aussi dedans, donc les poissons vont bien le garder en bouche. Vous allez pouvoir aussi l'animer en dents de scie, c'est-à-dire que vous allez faire des longues tirées et des longues pauses pour que ça descende bien au fond, d'accord? Et faites attention, souvent les touches se font au fond. Voilà, donc vous allez pouvoir constater qu'il nage vraiment tout seul. Il est vraiment sympa ce petit healer. Voilà, on passe tout de suite au prochain leurre. Ensuite, pour le deuxième petit leurre, cette fois-ci, on a privilégié le finesse, la discrétion. Effectivement, nous avions mis beaucoup de shad, beaucoup de grub, mais cette fois-ci, on a dit pourquoi pas mettre du finesse pour changer un petit peu les animations. Et ça, c'est le Valley Hill Dipping Stick qui vient faire son entrée chez nous avec la tête plombée toujours Delta de chez Volken. Donc, ce leurre, vous pouvez l'utiliser aussi bien en weightless, donc c'est-à-dire avec sans plombée. Vous pouvez aussi l'utiliser en drop shot, il va marcher vraiment très très bien. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de le mettre avec une tête plombée façon jig. Ça va être plutôt très intéressant. Au niveau de l'animation, cette fois-ci, on va vraiment, vraiment ralentir notre nage. Nous sommes en hiver, même s'il fait encore chaud à Toulouse. Mais on est en hiver et là, les poissons vont être vraiment léthargiques. Donc, il va falloir y aller mollo et faire des tirées quasiment sur place. Donc, ça s'appelle le jigging. Vous avez pu remarquer que tous les produits qu'il y avait dans cette boîte quasiment étaient axés sur ce type de technique. Effectivement, c'est une technique qui fonctionne très, très bien, surtout en hiver. Donc, on jig, on va doucement, très très doucement, quasiment du sur place. C'est comme si on faisait du jigging à la verticale, d'accord? Mais sauf que là, l'objectif, c'est de donner des tout petits coups comme ça avec la canne et de faire jouer juste l'action de votre canne, d'accord? Donc le leurre, il est tellement flexible qu'il va s'animer à la moindre tirée, d'accord? Ensuite, il y a une autre animation qui peut aussi potentiellement déclencher des touches. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus agressif. Quand les poissons sont sur chasse par exemple, parce que c'est vrai qu'en hiver vous savez que les poissons se rassemblent autour des boules de poissons. Et parfois quand ils sont sur chasse, on va devoir accentuer l'animation. Donc là vous allez prendre canne vers le bas et vous allez faire des grosses tirées comme ça. Donc ça veut dire que le leurre il va se désaxer droite gauche comme un poisson qui fuit et il va redescendre tout doucement au fond. D'accord? Donc on recommence l'opération, canne basse et hop hop, deux grosses tirées comme ça, touf touf. Et après le leurre il va redescendre tout seul. D'accord? Donc ça va vraiment être très prenant. Aussi, quand vous pêchez par exemple sous les frondaisons, on va imaginer si on pêche ici par exemple en dessous l'arbre quand il y a des feuilles, vous allez pouvoir skipper avec justement ce leurre en été. Donc effectivement, vous pouvez aussi utiliser ces leurres dans d'autres périodes. Ce n'est pas parce qu'on les met en hiver que forcément vous allez devoir les utiliser en hiver. Effectivement, l'objectif, ce sont des leurres que vous n'allez pas perdre et que vous allez garder. Donc vous allez pouvoir les réutiliser en toute saison. Ensuite, on reste dans la famille des finesses et cette fois-ci, c'est le Kempa de chez Noike. Un leurre aussi type finesse, mais beaucoup moins souple que l'autre, avec une sorte de petit impadis à la fin. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu à un paddle, comme si c'était un shad, mais en gros, c'est un finesse shad. Et on va l'animer exactement comme celui d'avant. Je vais vous montrer, peut-être changer un petit peu l'animation et voir si ça déclenche quelques touches. Donc là, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais lancer sur le côté, là, ici. Hop, je m'imagine que les poissons sont sur la bordure, donc je lance, je prends contact avec le fond, d'accord, comme ceci, et cette fois-ci je suis accroché. Donc sur ce décrochage en règle, on va relancer, c'est parti, boum,
Je prends contact avec le fond. Kevin est en train de se moquer de moi parce que je viens de faire un lancer du turfu. Je prends contact avec le fond et je fais des toutes petites tirées, pareil comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, je vais vous montrer une animation qui va s'adresser plutôt au... Oh, j'y ai cru, mon gars. J'y ai tellement cru. Bon, encore accroché, c'est abusé, gros. J'ai déclenché une perche, il y avait une perche juste là, comme quoi c'est à l'heure qu'il fonctionne. Donc, comme je vous disais, on passe en vertical, donc on va prendre contact avec le fond. Donc ça, ça s'adresse aux personnes, par exemple, qui ont des quais assez hauts, qui pêchent en flotte tube, en bateau. Donc, vous allez juste pêcher à l'aplomb du quai et vous allez faire des toutes petites tirées comme ça. D'accord? Donc, des toutes petites tirées et le leurre va vraiment s'animer à la moindre tirée. Et je pense que ça peut être vraiment, vraiment très, très bon pour cette fin de saison, à gratter en dessous les péniches, à gratter entre les quais, etc. Donc je vous conseille d'utiliser cette technique. Et comme je vous ai dit au préalable, on avait commencé à mettre des leurres pour la truite. Cette fois-ci, c'est le Gav Rider 65S de chez Volken, un leurre sinking. Type un peu truite, un petit... Je pense que vous allez peut-être avoir d'autres coloris, mais c'est un leurre de type jerkbait, utilisable aussi bien pour la perche que pour la truite, que pour le chevesne. Ça prend vraiment de tout. Au niveau de l'animation, ça va pas être très très compliqué. Je vais essayer de pas m'accrocher cette fois-ci. Je vais dire, allez hop, il y a un poisson en face là-bas, boum, je laisse un petit peu couler, canne vers le bas. Donc je vous montre bien et je fais juste des petites tirées comme ça, d'accord? C'est-à-dire que le leurre va se désaxer de droite à gauche. Au bout d'un moment, je pense que vous allez connaître comment animer un jerkbait, parce qu'effectivement, on vous en demande beaucoup, mais c'est intéressant de voir aussi la nage, le comportement du leurre. Et là, il se désaxe vraiment très très bien. Et quand il descend, il va descendre le cul en premier. Et ça, c'est cool. Donc c'est vraiment intéressant. Au niveau... Une deuxième animation, il se lance vachement bien, ça c'est cool. Donc on va faire aussi des longues tirées et des pauses. Des longues tirées et des pauses, ça peut être vraiment très sympa. Donc le poisson va monter, l'heure va monter et redescendre tout doucement, d'accord? Ça s'appelle un petit peu du stop and go avec des tirées assez sèches. Donc ça peut être vraiment très intéressant, ça peut aussi déclencher des touches de poissons qui ne sont pas actifs. Allez, on va essayer de... Oh! La perche était là, mon gars. Je te jure, gros. Mais de ouf! Voilà, donc c'était les produits de la box ultra légère du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié. Dites-nous dans les commentaires si vous, vous avez apprécié votre box. Si vous n'avez pas commandé, n'hésitez pas à aller voir directement dans la description. Il y aura le lien du site The Fisher Box. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bye bye!